c'est pas l'Arlésien qui m'a accoblé, c'est Gilles. Allô? Allô? Trois grandes activités humaines, la bouffe, la culture, puis les activités physiques, ludiques, etc., qui étaient susceptibles de rassembler le plus grand nombre de personnes. Donc, on a vu que ça a changé. Beaucoup apprécié le fait d'avoir un espace dans l'équipe de Montréal, de faire partie de quelque chose beaucoup plus gros que moi-même. Ça a été un très beau sentiment. De me savoir accepter comme je suis, avec mes forces et mes faiblesses aussi, ça a été une très belle expérience. Ben dans le fond, ça m'a donné le goût d'aller étudier en travail social, donc je me suis inscrite au cégep en travail social pour travailler dans les organismes plus tard. Ça m'a donné la piqûre. Avec le contact de Everlyn Winnie, ben ça me réalignait pour me dire « Ah! » Je pense que ce qui est important, c'est de prioriser ma présence auprès d'elle, de prioriser le fait que je sois disponible auprès d'elle plutôt que de prioriser d'autres projets, parce que c'est essentiel dans le cadre de ce projet-là d'être disponible. Ça a beaucoup teinté ma pratique aussi. Ouais, c'est un travail enrichissant. T'apprends. C'est pas pareil, c'est plus humain, je trouve, qu'ailleurs. Et on faisait des soupers communautaires, mais ça rassemblait les gens du bloc autour de la nourriture. Puis on ouvrait des sujets de conversation, puis c'est ça, ça crée du lien entre les locataires du bloc, pour après ça, genre, qu'ils apprennent à communiquer entre eux. On était dans un rapport qui n'était pas nécessairement d'intervention, c'était vraiment au niveau de, on crée une équipe de travail. Donc ça, c'était un défi autant de nous, comme travailleurs, de changer notre posture. Donc on n'était pas nécessairement dans une posture ni d'intervention, mais des fois un peu plus une ambiance de collégialité. Donc on travaille ensemble, on bâtit, on délègue aussi. Je pense moi, personnellement, dans des défis que j'ai rencontrés dans mon évolution professionnelle, c'est d'apprendre aussi à partager au niveau du travail d'équipe. Ça nous permet aussi de consolider les liens de confiance, de changer aussi le rythme de travail, donc de pouvoir ralentir aussi à un certain moment, de pouvoir prendre le temps d'expliquer, de faire du sens pour tout le monde. Il y a eu des locataires qui participaient à vos activités, qui participaient à l'organisation, puis il y en a d'autres que tu voyais qui ne voulaient pas venir, puis c'était compliqué, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Et ça m'a aidé à mieux parler au monde, être plus social un peu, être moins enfermé. C'est ça, là, je trouve que ouais, ça m'a aidé là-dedans.
camp d'hiver, ça c'était, on a senti aussi là, que, parce que moi je suis convaincu qu'une des meilleures ressources qu'on a dans l'accompagnement, c'est le temps partagé ensemble. Passer beaucoup de temps avec les jeunes, que les jeunes passent beaucoup de temps entre eux, ça fait que dans un climat positif, là, ça fait qu'ils apprennent à se connaître et à s'interpeller mutuellement. Donc le camp d'hiver, pour ça, c'était vraiment bon pour créer de la solidarité. Ben, en plein hiver, qui fait un barbecue en plein hiver? Nous, on le fait. Des fois, ça crée des conflits, des activités. Donc, quelqu'un qui ramène, qui garde de gérer ça. Puis d'apprendre à discuter sur le conflit de tout le monde ensemble, de faire des retours, je pense que c'est quelque chose qui est très, très, très important. Puis c'est quelque chose qu'on devrait valoriser puis le faire constamment au BCG. Mettez des petites affiches, genre des calendriers, des activités qui auraient lieu, genre à ce temps-là, à ce temps-là. Le projet a permis ça avec l'initiative de deux jeunes responsables locataires qui ont mis les efforts nécessaires, qui ont mis les mains à la pâte pour qu'il y ait des soupers communautaires à chaque semaine, des brunchs ou des moments où les jeunes pouvaient être ensemble pour parler de leur vie au BCJ. Au début, il y avait beaucoup de difficultés au niveau de la mobilisation, mais vers la fin du projet, on a quand même réussi à avoir quelques rencontres avec 2-3 locataires présents, même des fois 5 locataires présents. Et ça, c'est super, c'est super. Mais surtout d'aller au fond de mes idées, parce que souvent je suis quelqu'un qui va communiquer, je vais les nommer mes idées, mais si je me refais mettre en doute, je vais pas continuer. Puis là, sur le projet, j'ai pas permis ça, donc j'ai travaillé acharnement à prouver mon point de vue. Oui, je me suis affirmée. Enfin, ça m'a donné le coup de moins chez nous, plus travailler, peut-être voir plus dans mon monde. Ça a été très enrichissant aussi d'amener la discussion, puis gérer la discussion, puis faire respecter les droits de parole, motiver le monde à venir. Plusieurs situations où les locataires ont vraiment exprimé de la solidarité entre eux, quand il y en a qui ont eu des difficultés individuelles puis ils se sont regroupés. Récemment, il y en a qui s'interpellaient pour habiter ensemble après l'expérience du BCJ. J'ai accepté de lâcher prise davantage, puis d'admettre qu'on contrôle pas tous les effets de nos actions. Je suis plus à l'aise à parler en groupe, ouais. Avec les réunions qu'on a eues, ouais, ça a vraiment aidé à. C'est plus sans gêne parce que je sais qu'il y a une raison derrière ça, puis. Je sais pas.